et genre situation présentée là, c'est que il y a des monde qui ont une possibilité d'une manière ou d'une autre qui voyait petit de l'école. Est-ce que monde capable fier aujourd'hui là petit pour aller l'école? M'pa bon menti, moi-même qui parle là fier, moi-même qui parle là, je senti que moi mal à l'aise. Moi mal à l'aise dans la mesure où en 1980, de 1980 à 1986, moi passé toute période ça m'a à l'école en janvier. On m'a dit de 1980, ok, on dit de 1982 à 1988, 1982 à 1988, m'a à l'école en janvier. M'a salué et Maître Derrick. Et Maître Derrick, Pasteur Derrick. Pasteur Milo Télisma, la famille Télisma. Et m'a à l'école en janvier. Pour que question économique, problème économique qui était toujours demeuré. Papa m'a dit une paire de job li. Et Nasco. Et puis, maman m'a bouiqué. Honneur et mérite à maman, Madame Mac, Jerry Arima. Et puis grand frère qui mourit, Lionel Rema qui a donné une leçon, qui était toujours noté, bon, une possibilité. Ça, grand frère a préparé nous, même le nous parle l'école, mais il a donné une leçon la caille. Maman m'a dans le marché, et puis nous pas qu'à l'école en octobre. Tout le monde, tout le camarade nous, à l'école, et puis après l'école, il a passé venir nous la caille. Pour porter caille pour nous, pour apprendre notre. Donc, je connais des difficultés, je suis habitué avec des difficultés, je suis habitué à des problèmes. Ça fait mal que je ne dis là, c'est face à Fio et Gang, à cause des problèmes économiques qui lient ensemble, ou voir où est-ce que je ne vais pas à l'école. C'est-à-dire qu'il y a deux problèmes, nous fait face à plusieurs problèmes. Là. D'une part, je ne vais pas courir dans le quartier populaire, on ne vais pas l'école, pas l'ouvrir. Et puis, comment on est prêt à battre l'estomac dans le gouvernement, qui est dirigé par le docteur Ariel Henry? Comment on va le battre l'estomac? Docteur Ariel Henry, il n'a pas mon gars figure dans la glace. Monsieur le Premier ministre, je vous demande ce matin de faire ces exercices que en pile instructeur au niveau de l'académie, tant ici qu'aux États-Unis, qu'on a demandé nous faire nous-mêmes comme postulant dans la police. Chaque fois où on commet un bagage qui n'est pas bon, chaque fois où on regarde une action de fait comme bien ou pas fait le bien, gardez figure dans la glace. Je demande à tous les membres du gouvernement, ce matin, de vous regarder dans un miroir. Gardez tête nous dans le miroir. Je demande ce matin à tous les politiciens ayant combattu Jovenel Moïse de se regarder dans un miroir. Je demande à tout politicien, tout le monde qui est dans le secteur privé des affaires là, qui est campé en quoi? Pour goumer contre Jovenel Moïse, face à territoire perdu, côté Timoun pas à l'école, gardez figuine dans la glace. Je demande matin à chaque grand monde, pasteur, et pasteur, père, prêtre, l'église catholique, ou grand, mambo, gardez figuine dans la glace, dans la zone panouan, qui est fort nous faire pour Timoun à l'école. Coup de cloche pour Frère Lixon qui ramasse son équipe Timoun. Même les équipes Timoun qui critiquent, qui ont dénoncé, qui sont en base quelconque. Je demande matin à nous mêmes qui sommes dans le gouvernement, directeur général, ministre, gardez figuine dans la glace, comme Timoun nous voyons à l'école. Qui est fort nous fait pour aider Timoun qui fait aller à l'école? Comme Timoun qui fait à l'école, même les l'école qui fait, mais quand tu as l'école, qui est pour l'école dehors? Et je le dis à la cap dormi en bas de tente. Maintenant c'est l'État. Ouais, ou phase ou point, c'est l'État. Mais si sujet ou vient avec là, c'est les hommes armés face à l'école. Pour l'économie. Ouais, mais les hommes armés, parce que nous avons plus un problème économique là, côté qui pas gagne hommes armés. Ils ont plus économique. Mais quand il y a là, on a regardé. Si tout vient avec là, c'est les hommes armés face à l'école. Maintenant, l'on dit les hommes armés ou bien on dit gang,
où est son mal? C'est ça? Mm-hmm. Oui. Son mal. Son mal, son mal. Mm-hmm. Maintenant, est-ce que c'est tout partout côté gagne gang li comme ça? Est-ce que tout n'est yo pas de cas assumer une responsabilité? Par exemple, nega mea, yo vin chef, c'est chef yo, eh? Oui, chef. C'est chef. Sous chef, ou gen chef déjà. Correct. Mais ou choisir chef ou chef? Normal. Nèg yo c'est chef. Mais sous chef, gon bagay ki bien ou te ka fè. Si m chef m leader. Si m leader, c'est pour protéger ti moun. Correct. Donc ça veut dire que c'est pas chasser par ti moun ak ti moun. Nèg la, nèg a mé yo nan zone yo. Yo kon tout parent. Ouais. C'est dans zone pa ouye. Ouais. Ou qu'on parle après yo te relé yo agent développement voilà hein, agent communautaire parle ngoy ti moun l'école yo ou connaît ça ensemble avec ouyé mm-hmm. Parce que c'est ouen c'est dans ti localité a correct maintenant ou connaît yo maintenant sou connaît yo ou bien nega mais là me dit yo c'est chef là bien comprendre ça m'a dit ça veut dire nèg yo kachita avec directeur mm-hmm. Parce qu'on est un chef déjà correct. Ou vin gon avantage, gouvernement dit ou est zone ça, c'est territoire perdu. Bon, ou accepte ou même qui chef là, et puis ou gon paquet ti moun, ou kouri des parents yo. Non! Pour moi même, gon intelligence n'a yote de gen. Ou vin goumen pour chef, parce que c'est goumen qui faut vin chef, ou gen zam ou bagay, c'est ou li de zone là. Correct. Eh ben, pour qui ça ou pas quitter l'école fonctionner? Pour qui ça? Ti moun ki nan zone nan ou ta vle vinn pi mal paso ou ou bien ou ta vle vinn pa konnen oui. Mete yo nan condition nul non mwen pense que nèg yo te dwe puisque gen contrôle zone nan nan men yo c'est ou chef eh ben ou te ka fon jan pou l'école la fonctionner correct parce que pour moi mon bagage dans tête moi plus gros inquiétude il gen doit pas avoir ça m'a dit mais plus gros inquiétude pour moi même nèg a mé a gen dans zone là c'est pour pas infiltrer ça veut dire pour moun pas sol dehors pour venir suivre ça la régler correct est-ce que ça veut dire c'est infiltration hyper mais sous dans zone non qu'on parent yo ou ka gérer ça parce que l'on fait pour pas gagner l'école ou bien stratégie ou jouer à pour pas gagner l'école pour l'école pas qu'à fonctionner du tout il vient nous l'autre bagaille non laisse à tout ou pas une mission tout non mais c'est ça fait nous parce que nèg a mea parce que moi quelque nèg qui te commence à parler comme ça automatiquement heureusement c'est zam nan baoul c'est pas ça le tadoué mais zam nan baoul ou gain là ça veut dire c'est ou chef. C'est pour connaître où chef dans zone là. Étant donné c'est où chef parce que pour machine passer ou faire ceci ou faire cela, gain des crimes ou gain doit pas accepter. Correct. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est où chef? Si c'est ou même qui chef troupeau ou même qui chef troupe là. Gain des bagages ou pas accepter, ou pas accepter n'importe bagaille. Ou conseil des qui viennent dans équipe là, ou pas quitter faire n'importe bagaille. Normal. Parce que chef ou pas respecter. Ou dit les gars mais comment pour comporter OK on a la guerre bagaille automatiquement ou un nèg commence à foncer du bagaille ou même chef là pas d'accord ou obligé pénaliser yo bail le temps mais ou pas qu'à quitter pour l'école pas fonctionner moi même c'est ça me pas comprendre parce que nèg c'est chef yo bah là aller au-delà de l'école là hein on aller vas-y. Et tout d'abord, nous fait constat là, nous dit chaque jour parce que nous toute chaque fois nous regardons des questions, nous pas jamais qu'à comprendre partie ça notion ça. Ah vraiment. Question vraiment. Gang yo, bandi yo, si des timoun zone yo, c'est toujours qu'on s'allie, c'est timoun qui lève dans zone là, qui gagne une certaine habitude avec presque tout le monde dans zone là. Oui. Donc c'est des moun yo qu'on est. Oui. Qui grandit là, qui lève là, qui évolue là, il connaît zone li. Il y a qui te connait le matin, tonton. Voilà, qui te connait jouer football, c'est football. Le bon sens gagner de relations
avec moun zone nan, moun ki leve nan zone nan, grand moun ki kon zone nan, avec jeune sa ou ki jodi a veni nan situation sociale ki ou y a. Maintenant nous toujours à poser question que nous pas jamais rive comprendre qui j'en fait même moun sa yo levon bon matin et puis sortant derrière y a mandé zone nan. Tout moun nan zone nan yo mandé bayo zone nan, leve kou, écraser zone, bat katoucha petit, moun yo pa gen l'autre choix que quitter zone. Correct. Personne moun pa ka gon réponse sou ça parce que nous pa ka comprendre ni. Parce que pa gen logique dans ça. Même si moun nan t'a évolué comme gang, mais certainement li gen moyen pour le faire comme. Oui. Parce qu'il faut gen comme pour l'évoluer. Dernier moment temps de voix de barbecue k'ap dou chaque chef gang yo gen façon yo faire comme. Fait comme. Correct. Gen ce kidnapping, gen l'autre c'est l'autre moyen. Mais on d'ap développer ça tout. Gon outil économique qui ka permettre que base la subsister. Correct. Maintenant l'on entre dans logique côté que wap dévaloriser, wap dévaster ensemble des familles, wap faire quitter zone. Dévaster. Maintenant, qui j'en, à quelle fin, quel est donc l'objectif? Avant même pour t'arriver dans la question, l'école va t'en partir de là. Mm-hmm. Parce que vous sentez que entre bonne armée et moun zone, yo, en pile fois, pas gain harmonie. Oui. C'est comme si vous n'avez pas besoin de moun même. En pile fois, vous n'avez pas besoin de la prison. Donc ou pas quand même mal poser intérêt pour ta gars souci ou pour vertu l'école ta fait dans zone baywa parce que au départ il y a un grand conflit au départ pas grand harmonie entre eux même et mon zone là pas toutes les fois non donc là attention pas toutes les fois non gain groupe de gang zone yo l'école a fonctionné l'école compte fonctionner bah connait gain de groupe de bandes armées moins rappeler que le ministre de l'éducation nationale et Espi Maniga te vinn avec un bail comme ça l'école ti pati pas l'école pas attendre l'école pas attendre ça ça qui te permettre li Pierre Matisse nous rappeler très bien d'aller descendre en bas Matisse là oui tu es où on l'école tu compromis quand même tu compromis entre bandes armées et ministre là nous te jeune entente sous ouverture l'école sous fonctionnement ensemble de l'école maintenant pas connait qui ça fait bon ça pas continuer comme ça qui ça gâté bagaille là dans niveau ça ça peut être c'est gâté ou bien ça passé parce que je dis à si n'a parlé de ouverture l'école faut ta est-ce que on parler de ouverture l'école pour monde et café jamais on parler de ouverture l'école pour petit monde qui trouve dans Matissan est-ce que on parler de ouverture l'école pour petit monde qui trouve dans Verrette dans Kou dans toute zone dans la Tiponite dans Belen dans Solino dans et Canaran mais non qui faut qui sont fait de ensemble de moun sa yo ti moun sa yo ki pral subi au même titre même examen avec même moun ki trouvé nan grandans lan li même quand total faire ouverture des classes là c'est presque même examen c'est presque même so yo pral subi pour tester yo qui sont qui considération ministre lan fait pour moun sa yo qui ça l'état prévoit pour ti moun sa yo même jusqu'à date n'a parlé à principal préoccupation des parents yo pas l'école du tout parce que yo besoin survivre jodi a donc pas dans question l'école là on est abdormi dans la rue. C'est manger, c'est un côté au besoin pour habiter. Donc question l'école là vraiment pas même au second degré. Son pas qui vient pas net parce que situation y a vivre là-dedans. Là, donc il a besoin rester en vie. En plus là-dedans perdu tout ça a été possédé. Il a perdu caï. Il a perdu caï, il a perdu l'argent. C'est des familles dévastées. Et il y a qui perdu famille, proche famille, il y a perdu c'est des familles dévastées Esaü. Je dis à dans situation. Le gouvernement arrêté insensible. Dans situation économique moun sa yo là son bagay vraiment totalement exagéré. Et maintenant, moi t'attendé le premier ministre Ariel Henry, alors pas tant de non à travers un tweet qu'il te fait. Dans ça qui t'est fait, moi c'est l'hôtel Montana dernièrement qui dit que on accompagnement des parents et sous question l'école et gien l'autre monde qui et intervenu sous question ça qui t'est parlé d'un 30 alors 15,000 goud pour chaque parent environ 500,000 parents bon n'a bien aimé qu'on est est-ce que l'agence a déjà débloqué combien parents la joine qui mécanisme utiliser tout pour les parents ça pour arriver sous parents ça avec comme ça parce que nous fait toujours même réalité ou des beaux discours des belles paroles et quand concerné ou pas j'aime jouer une cobio concerné ou pas j'aime toucher de accompagnement ça de assistance ça yo donc j'ai un nom biglio qui anti j'en mélange j'aime pas qu'on équipe programme qui ça ministère éducation alors nationale, pendant dit ça là plan que vous gagnez pour aborder pendant dit ça là gagne un plan un programme yo t'a annoncé parmi tout programme yo programme social là dans le lancement officiel pour il a permettre et des bons et de carburant
ça nous les des cartes pétrolières et ministre s'est même déplacé là aller dans Grand'Anse et dans nord-ouest dans nord-est dans nord-est. OK. Après elle fin et fait lancement dans Mondana. Et il était bail et des chèques à hauteur de 200 000, de 50 000, de 100 000 goudes à des entrepreneurs de la place, des mondes vulnérables, des mondes comme ça qui n'ont et des petits et moyens, des petits et moyens et comment dire, ils ont fait un investissement, ministère commerce, ok, via primature, police nationale pays d'Haïti rivé en dans l'église et en dans l'église ça mesdames et messieurs gen gros dossier gen gros cause parler en dans l'église ça et c'est ça qui fait paf lui même qui c'est une section qui règle les affaires l'argent en dans des CPJ mesdames et messieurs yo rivé mette main sous Joseph Aldo Cornet qui sont pasteur mesdames et messieurs. Nous sommes te présenter nous citoyens ça qui te spécialisé dans bay moun faux papier promettre moun une série de documents que lui même li pa la hauteur pour le tabac vraiment et pas des petits mots sur l'argent des petits oreilles bourriques mesdames et messieurs monsieur ça li déjà prend dans mais une série de moun et c'est pas une petite crasse moun c'est temps en temps selon et monsieur Bafio yo fait qu'on est mon avis porter plainte pour citoyen ça qui c'est pasteur Joseph Aldo mesdames et messieurs et ben qui te dit la police procédé avec arrestation semaine qui saute passé yo et ben dans moment n'a parlé là monsieur ça il était dans cuisine de CPJ t'attendait le pour regarder qui ça qu'on est de ça reprocher lui de CPJ tendait citoyen mesdames et messieurs et une gros vérité qui révèle avec l'onange parce qu'il même t'a expliqué il t'a essayé présenter des CPJ ça le connaît des dossiers comment le comprendre mais qui te me dit bagaille au papiti en dans l'église là mesdames et messieurs dans moment n'a parlé là fidèle yo commencé à poser tête aux questions toutes les autres qu'on a bail comme la colette pour construire l'église pour faire marche pour aller régler une série bagaille dans pays là sous nom l'église est-ce que pasteur à lui-même l'était conservé avec comme ça avec effet yo te bail là mesdames et messieurs en tout cas pasteur à un moment là il saute passé dans des CPJ yo auditionnel yo tendel et lui-même il bail une série vérité li dit c'est un ami qui prend en piège là mesdames et messieurs li c'est un éducateur pasteur pas qu'on est li gon paquet dans profession yo li fait qu'on est mesdames et messieurs li était capable aider une série de monde sans qu'elle pas gagner mauvaise volonté mais ami en prend en piège là pas jam qu'on est si bagarre la gagne dans la dans rencontre. La police présente-t-elle à par l'intermédiaire, disons, section presse à relations publiques qui en est dans PNH là, yon montre Biggie Pasteur, elle t'a parlé, pas pour attendre, pour qu'attendre qui ça lui-même, li t'a dit de ça qu'on est, et ça yon reproche là, zami internaute, parce que citoyen, li fait qu'on est, li c'est yon pasteur, tout éducateur, li gen bon ke, li pas t'a jamais souhaité trouver dans une situation pareille. Bon, éviter pour tenter situation pasteur ça qui c'est Joseph Aldo Cordé. La police nationale d'Haïti à travers BAF, une entité dans le CPJ, mettait en bas code révérend pasteur Joseph Aldo Cornet tout près de l'église Lin dans Tabac 25 dimanche 10 septembre 2023. Pasteur Joseph Aldo Cornet jeune arrestation li après diverses plaintes qui déposées dans BAF contre lui comme monde qui fait partie un réseau qui prend l'argent dans mes clients et puis promet qu'il a fait voyager Canada et États-Unis et puis faciliter autour jeune cadre résidence. Mais c'est Joseph Aldo Cornet fait connait c'est rôle intermédiaire il tape dans réseau ça et puis reconnaît tout qu'il était gagné en 20 clients qui t'ai bali l'argent. Joseph Aldo Cornet, scientifique, éducateur, pasteur. Dans l'église à l'église. Église de Dieu de Cosa. Combien de clients, 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 combien de clients,
Pour accepter d'entrer dans le réseau ça, révérend pasteur Joseph Aldo Cornet déclaré, c'est un ami qui t'a mis en contact avec un monde qui t'a un ancien ambassadeur Canada dans le pays d'Haïti. Alors que, même pour une fois, pasteur a dit, il n'y a pas de chance de rencontrer soi-disant ambassadeur ça. Selon données en qui t'es baffé disposé, pasteur Joseph Aldo Cornet recevoit 57 460 dollars américains dans mes victimes. Il y a une quantité d'argent qui est capable d'augmenter à cause de diverses victimes qui continuent à porter plainte. Non, baf. Moi, j'ai investi et puis j'ai trouvé le dollar par an dans le dossier. Comme tu vois, par exemple, il y a des gens qui ne peuvent pas payer dans le dossier, c'est moi qui fais couverture pour eux. Même si couverture, il y a des frais pour eux. Vous avez des frais. Vous avez des frais. Non, c'est ça. Ça nous a gagné, nous a arrangé, nous a dit. Sans amis, par exemple, étant que les amis ont tardé dans le dossier, ils ne sont pas capables. C'est moi qui ai la possibilité de faire couverture. Faire couverture. Révérend pasteur Joseph Aldo Cornet, qui montrait innocence les dans affaires ça, présentait tête les tout comme une victime. Pour qu'il convainc moi, de façon de parler, par dossier des documents, il voyait pour moi, il convainc moi. Et puis, par la main de l'État, chérie, bon, convainc moi, mon dossier, alors avancer. Et puis, il fait dossier pour madame. Malgré les avoués, il transférait l'argent par plusieurs mondes, surtout dans la République dominicaine. Comment vous voyez comme ça? Nous avons des messages qui sont dans la République dominicaine. Il y a des messagers qui sont en France. Qu'est-ce que tu as dit? Il y a des chiffres. Pas des chiffres exacts, mais pour les autres, on a un peu de temps. Pas de chance. On est grand. On est comme un bénéficiaire dans ce monde. Pas de bénéficiaire. Ça t'a pas bénéficiaire. On n'a pas bénéficiaire à la famille, mais normalement, pas de bénéficiaire, sauf que tu as un petit. Avantage pour famille, souci c'était pour famille. Le président, c'est l'éducateur, c'est le pasteur. Donc, les fois, les documents, ça va, on a mis en contact avec le gouvernement. En tant qu'intellectuel, ça, ça a dit où? Mais. Réfléchir. Bon, moi, c'est pour réfléchir, réfléchir. Comment ça nous a dit de la police? Eh bien, vous avez tout simplement, parce qu'on est venu de notre propre monde. En tout cas, pasteur lui-même qui fait qu'on est la payer pour ça le fait, bien que les conscients, c'est non piège, les prend, c'est 11 ans qui te fait jouer un rôle intermédiaire pour que lui-même était capable de tomber dans la pièce là, mesdames et messieurs. N'a pas arrivé aux États-Unis parce que les États-Unis lui-même lui concerné pour et avec ça qui a passé entre Haïti et République Dominicaine qui te dit ou responsable pays États-Unis yo lancé yon pinga par eh bien ressortissant américain qui vivent Haïti côté yo mandé yo pour yo quitter pays d'Haïti avant eh bien 15 parce que yo suspect Abinader lui-même pral fermer frontière avec Haïti et américain fait qu'on est gouvernement disons fait qu'on est yo pas capable rien pour yo si toutefois yo t'a bloqué en Haïti
pour aider à déplacer parce que eh bien Abinader sur route là pour fermer frontière avec Haïti et autorité américaine yo mandé pour tout ressortissant américain quitter pays d'Haïti ou encore si toutefois y a gain pour aller Saint-Domingue faut qu'yo fait avant 15 et date 14 là c'est dernière limite pour que yo fait ça mesdames et messieurs et bien qui te dit ou dans même question cap traverser l'autre voilà gagné Claude Joseph qui pourrait bouche dans cause Claude Joseph en pile monde considéré comme ennemi juré et bien République Dominicaine et bien qui te dit où ça cap passer là li parité différent là-dedans li fourer bouche li mesdames et messieurs et li fait gros révélation semble canal la pas camper mais qui te dit où on va éviter autant de Claude Joseph mais quant à moi-même mali sinon gagne pour nous rencontrer encore c'est dans une prochaine émission pour plus d'informations mesdames et messieurs allez m'a quitté nous avec Claude Joseph cette vidéo ça pour moi pour participer une fois encore à paysan nord-est qui décidé mettre main dans travail que l'état haïtien a initié dans l'année 2018 pour te permettre paysan en bas peine Maribaou a osé 3000 hectares de terre. Nous connaissons l'importance de l'homme des ministres en fait dans chaque premier ministre, nous avons travaillé ça. Nous songeons toute pression. L'homme des premier ministre, le gouvernement dominicain a fait sur Haïti. Nous songeons comment nous avons résisté à la pression. Mais plus que ça, nous n'avons jamais besoin de conflit avec eux puisque on a utilisé voie diplomatique. Et nous avons gagné, puisque dans fin mai 2021, nous ensemble avons signé une déclaration conjointe côté dominicain pour reconnaître le travail qu'on a fait sur la rivière Massacre et pas dévier de l'eau. Mais plus que ça, pique autorité en République dominicaine dans les affaires gestion de l'eau, qui est l'Institut national des ressources hydrauliques, reconnaître que le travail qu'on a fait sur la rivière Massacre n'a pas dévié de l'eau. Parce que je dis, le travail qu'on a fait, il exige 1,5 m cube d'eau par seconde, qui équivaut à 20,33% de débit annuel moyen rivière Massacre. Et je même dis, même si nous avons utilisé deux fois ça, qui c'est 3 m cube d'eau par seconde, qui équivaut à 40,65% débit annuel moyen rivière Massacre, nous avons toujours pris pipiti que la République dominicaine sur rivière. Nous allons plus loin pour vous dire. 70% de terres agricoles en République dominicaine ont utilisé de l'eau pour arroser, les situer dans le tête de travail que nous avons fait. Ça veut dire en amont. Ça veut dire le travail que nous avons fait. Pas gagné impact sur nous t'a capable dit yo même en République dominicaine nous songer on le fait encore toute position que les positions ça yo t'a pas le coûter côté dominicain yo te mettre dans en lice avec un groupe bandit yo déclaré me persona non grata yo te penser que nous t'a prendre pression moi veux dire à habitants en Nord-Est, m'a continué à accompagner yo parce que évidemment travail à faire yo pas violé aucun engagement yo pas violé aucun traité traité de paix d'amitié perpétuelle et d'arbitrage que nous signons ensemble avec yo le 20 février 1929 nous pas violé parce que traité ça a dit faut les ressources que nous avons en commun, nous avons utilisé de façon juste et équitable. Nous avons utilisé plus que 10 prises sur rivière Massacre. Nous n'avons pas violé l'engagement que nous avons avec eux. Même j'ai toujours violé l'engagement que nous avons avec eux. C'est eux qui violent la déclaration conjointe que nous signons avec eux dans fin mai 2021, l'homme des premiers ministres. Côté eux, même ils reconnaissent. Nous n'avons pas dévié de l'eau. Donc je dis à l'important. Pour l'État haïtien accompagner les paysans pour travailler capable de continuer.
sous leadership ministère agriculture. C'est important. Nous reconnaissons que le gouvernement Ariel a cédé à la pression dominicaine. Parce que son gouvernement illégitime, impopulaire, décrié, son gouvernement qui comptait tout appui sur la communauté internationale. Là. Donc les Dominicains ont baissé pression, le gouvernement voulait négocier avec eux et le gouvernement prend pour les Dominicains contre les Haïtiens. C'est peut-être ça. Nous avons demandé à la population dans le nord-est pour être vigilant. Pour être vigilant, passer de la pression, faire pression sur l'État haïtien, en particulier le ministère de l'Agriculture, pour continuer le travail comme ça doit, pour nous capables d'irriguer 3 000 hectares.